grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Seigneur, s'endort dans la peine. Et...
Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me la témoigne ta d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me je suis de tes fidèles qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 28. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La gloire du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Gloire du Seigneur dans la force. Gloire du Seigneur dans l'éclat. Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune torrent. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle étaille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les airs. Voix du Seigneur qui secoue les terres éteintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne dans son palais, tout crie gloire.
Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ce qu'il aime, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis où le laisser. Vers toi Seigneur j'appelle, à mon Dieu je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse, tu dénoues mon sac et me saignis l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire, Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Je disais ne plus voir le Seigneur sur la terre des vivants. Jamais comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, on me tranche la trame. Dès le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves, je suis prostré jusqu'au matin. On dirait je trisse, je gémis comme la colombe. Mes yeux s'épuisent à regarder là-haut. Ô mon maître, sois mon garant.
Dans l'épreuve, comment parler que lui dire, mais c'est lui qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà ma détresse. Ô mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, tu retiens mon âme devant la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent les enfers te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Dans la fosse d'espérance en ta vérité. C'est le vivant, c'est le vivant qui te rend grâce, comme moi en ce jour. Le Père apprendra ce Fils à connaître ta vérité. Du père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. Il suffit de lire l'Évangile objectivement pour voir que la vie du Christ n'est pas uniquement orientée vers ses disciples et vers les hommes. Le Christ revient toujours à ceux qui le constituent. Fils. C'est la relation fondamentale, celle qui le fait ce qu'il est. Si on la supprime, tout le reste n'est plus que du vent. Or, toute vie spirituelle cherche d'abord à reprendre conscience du lien fondamental qui nous fait fils de Dieu. En faisant cela, nous prenons le Christ comme modèle. Nous le suivons dans sa propre démarche intérieure. Nous ne pouvons pas, en effet, ne pas être frappés par cette attention intérieure du Christ à l'égard de son Père. Ce n'est pas une préoccupation anxieuse, mais l'expression de ce qu'il est en réalité. Celui qui a une vie intérieure écoute ce que le Christ dit de lui-même. Quand le Christ découvre aux apôtres les mystères de la vie intérieure, il ouvre la porte à ce que nous appelons la vie spirituelle, en tant qu'elle se distingue de la vie chrétienne communément vécue. Les apôtres ont, avec le Christ, une intime union, et le Christ cherche à leur ouvrir l'esprit au mystère qu'ils vivent. Il sait bien qu'ils ne peuvent pas tout comprendre pour le moment, mais l'Esprit Saint viendra, qui leur enseignera ce qu'ils ne savent pas encore et leur fera comprendre ce qu'ils n'ont pas encore compris. Ainsi, l'Esprit est le maître de la vie spirituelle.
C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Bien qu'il soit le Fils, il pourtant a pris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Hier, nous fêtions la croix glorieuse. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame des douleurs. Le texte que nous venons de lire, le texte des Hébreux, a priori n'a aucun rapport avec la Vierge Marie. Aucun rapport à première vue, puisqu'il traite de la passion du Christ, grand prêtre à la façon de Melchisédek, qui offre à Dieu le seul véritable sacrifice. Si vous avez la curiosité d'ouvrir un missel des années 50 à la fête de ce jour, vous aurez la surprise de trouver en lecture, non le texte de la lettre aux Hébreux que nous venons de lire, mais un texte du livre de Judith. Judith, cette jeune veuve, belle, intelligente et séduisante, qui réussit à tuer Holoferne et qui apparaît comme la femme qui sauve son peuple. On comprend donc d'autant mieux les raisons qui ont fait préférer le texte de la lettre aux Hébreux, parce qu'il lève toute ambiguïté et définit la place de Marie dans le mystère par rapport au Christ. C'est Jésus qui sauve, Marie pour sa part est ce qui rend possible l'action salvatrice de Jésus. Seul Jésus pouvait ouvrir le ciel aux hommes, mais Marie seule a ouvert notre terre à Dieu. La porte de l'histoire du salut en Jésus-Christ est cette femme. Empruntons donc le chemin que Dieu lui-même a choisi. Marie, Marie Notre-Dame des douleurs. Il y a dans toute vie humaine une dimension tragique. Marie vit cette tragédie, une tragédie de l'amour. Marie, une jeune femme ordinaire menant la vie la plus banale qui soit au sein de son peuple, a accepté sans doute une maternité exceptionnelle, mais celle-ci s'inscrit au nom même de l'incarnation dans les normes banales d'une maternité simplement humaine. Marie n'a pas compris en un instant l'immensité du mystère et de ses conséquences pour Jésus et pour elle. Elle est allée de découverte en découverte. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, dira-t-elle. Deux grandes choses, franchement, il n'y paraît pas. C'est même le contraire que l'Évangile s'applique à montrer. Celle qui a porté Dieu dans ses flancs ne verra presque rien de ce qui éblouira les autres. Dès l'Annonciation, la Vierge attend l'enfant Jésus et Matthieu laisse entendre que Joseph va renvoyer Marie. Et Marie ne dit rien. À ce moment où elle a le plus besoin que son honneur soit gardé, elle sera seule. Elle accepte de perdre son mariage, de perdre son appui, de perdre son honneur, parce que Dieu l'a appelée, elle lui fait confiance.
Elle est prête à perdre ce mariage, en tout cas elle l'a donné. Et l'enfant qui va naître ne lui appartient pas. Il n'est pas là pour combler ses désirs de femme. C'est un enfant qu'elle a donné en se donnant avec lui. À la naissance de l'enfant, le ruissellement d'étoiles et de chants qui fait accourir mages et bergers, ce n'est pas pour Marie. Elle, elle est dans la banalité. Elle emmaillote son bébé, le couche, le veille, comme toute autre mère. Dans l'épisode de la fugue de Jésus, perdu et retrouvé au temple, le texte évangélique nous dit que ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie a pu se tromper, mal comprendre ou ne pas comprendre du tout. La foi humaine passe par des moments d'incompréhension. La vocation du Christ semble avoir pour premier trait de l'éloigner de sa mère. On dirait même que c'est un fait exprès. Non seulement Marie n'est pas témoin des grandes choses que fait son fils, mais là où les autres applaudissent, la mère reçoit blessure. Qui est ma mère? Elle est la seule dans l'Évangile que Jésus blesse. À la croix, Marie est soumise à l'épreuve la plus insupportable pour toute mère. La mort de son propre fils. Voir mourir ses vieux parents est très triste, mais c'est une loi de la condition humaine, une loi de la vie et de la mort. Mais voir mourir la chair de sa chair, celui ou celle dont la vie s'est confondue 9 mois avec la sienne, est une épreuve scandaleuse, car elle contredit proprement la loi de la vie. Au pied de la croix, Marie est là, elle ne dit rien, garde le silence. Notre-Dame du silence. Le temps n'est plus aux questions comme à l'Annonciation et au Temple de Jérusalem, ni aux initiatives risquées comme à Cana. Au Golgotha, tous ont fui. Mais elle, absente au temps des triomphes, elle est là. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Peut-elle encore répéter ces mots, maintenant qu'il est né, qu'il est parti, qu'il est mort? Oui, sa douleur et sa louange. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Quelles choses, au fait? Un enfant entre une crèche et un calvaire. Elle a beaucoup souffert parce qu'il a beaucoup aimé. Parler de la souffrance n'est pas chose aisée. Il faut pour cela l'avoir connue tant soit peu. Et le risque est grand de ne pas trouver les mots pour le dire. Difficilement supportable ce sentiment de ne pouvoir soulager, cette impuissance à faire cesser l'intolérable. C'est ce qu'a vécu Marie comme beaucoup d'autres. Mais Marie est là, au pied de la croix. La qualité de sa présence fait que celui qui est dans la plus grande détresse ne se sent plus tout seul. Jésus, dans son agonie, avait dit à ses apôtres, avait dit son besoin d'avoir 3 apôtres avec lui, « Ne pourriez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Mais ils se sont endormis et sa souffrance n'en a été que plus grande. Demeurer avec la personne souffrante, accepter de ne pouvoir rien faire, c'est Marie. Le Christ a souffert et il nous a dit qu'il fallait en passer par là pour entrer dans la gloire. La souffrance est la question des questions. Elle se pose avec le premier cri de l'enfant et elle ne cesse de nous poursuivre jusqu'à la fin, quand l'agonie nous détachera du rivage des vivants. Seul entre en ligne de compte ici la souffrance imposée, celle du type que Jésus, au Jardin des Oliviers, a demandé un instant qu'elle lui fût épargnée. Voir pour la dernière fois le visage de votre enfant qui meurt, il n'y a pas de malheur plus grand. Le temps l'atténue, mais ne l'éloigne jamais beaucoup. Et puis un jour, jour de révélation, au détour d'une rue, le souvenir reviendra vous atteindre pour la 1000e fois. Mais vous songerez alors que rien ne serait pire que l'oubli, que cette souffrance qui vous a jadis violemment brisé est la preuve que vous avez aimé, que cette preuve est la justification de votre existence, votre bien le plus précieux. Vous ressentirez la connivence profonde de la souffrance et de l'amour dans votre corps et dans votre âme. Cette souffrance vous aura ouvert à la pitié et rendu attentif à la plus anecdotique des larmes d'enfant. L'amour incarné ne peut éviter ce chemin de croix. Seul le poète
a pu trouver les mots pour dire la douleur et transfigurer la tragédie en un oui à la vie, la souffrance en un élan d'amour. Par l'arc-en-ciel sur l'averse des roses blanches, par le jeune frisson qui court de branche en branche et qui a fait fleurir la tige de Jessé, par les annonciations riant dans les rosées, je vous salue Marie. Par l'exaltation de votre humilité, par la joie du cœur des humbles visités, par le magnificat qu'entonnent mille nids, et par Élisabeth treille ou frémit un fruit, je vous salue Marie. Par votre modestie offrant des tourterelles, par le vieux Siméon pleurant devant l'autel, par la prophétesse Anne et par votre mère Anne, par l'obscur charpentier qui, appuyé sur sa canne, suivait avec douceur les petits pas de l'âne, je vous salue Marie. Par la nuit qui s'en va et nous fait voir encore l'églantine qui rit sur le cœur de l'aurore, par la cloche pascale à la voix en allée et qui, le samedi saint, à toute volée, couvre d'alléluia la bouche des vallées, je vous salue Marie. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous t'implorons pour les familles fuyant la guerre, l'oppression ou la famine. Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-leur de trouver refuge, accueil et protection. Seigneur, nous t'implorons pour ceux que notre société rejette ou délaisse. Par l'intercession de la Vierge Marie, accorde-leur de retrouver courage et estime d'eux-mêmes. Seigneur Jésus, qui a voulu que Marie, ta mère, te suive jusqu'au calvaire, par son intercession, accorde-nous d'espérer en ton amour lorsque nous sommes dans l'épreuve. Ah, Marie, Seigneur, souviens-toi. Oh.
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Avec Marie, debout au pied de la croix, accueillant le dernier souffle de son Fils, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Jesus.